Gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce encore au milieu de nous ce soir. Nul ne saura nous aimer comme ce Dieu. Il ne regarde pas nos imperfections. Il ne regarde pas ce que nous sommes. Il ne regarde pas. Mais il nous aime et il manifeste son amour à notre égard. Nous allons partager la parole de Dieu et après nous allons prier. Nous prenons Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, les versets 23 jusqu'à 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en déroute les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Fuyons. Israël, car l'Éternel combat pour lui. Car l'Éternel combat pour lui. C'est un peuple que l'Éternel a choisi. Le peuple d'Israël. Parmi des nations, parmi des peuples qui étaient sur la terre, le Seigneur a choisi Israël. Le Seigneur a accepté de marcher avec ce peuple. Ce sont des choses qui ont commencé depuis leur ancien ou leur grand-père qui est Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham, à l'homme d'Abraham: je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance. Israël, mais lorsque il monte à Oyo, et bandit qu'on se multiplie sur la terre, Bango va monter ma couti et si ma poney la Bango Zambé. Il n'avait pas le choix à faire en ce qui concerne les choix de Dieu dans leur vie. Par là, Dieu a ouvert sa bouche que l'on a été par qui t'amina yo par côté de la bohombo na boka moko. Et Israël s'est retrouvé en Égypte. Israël s'est retrouvé en esclavagisme selon la parole du Seigneur que le Seigneur a dit à Abraham. Israël s'est retrouvé en Égypte. Parce que lorsque Israël est né en Égypte, leur frère Joseph est gouverneur en Égypte. Quand vos familles sont frappées,
partout dans le monde. Par le but est que en Égypte, Banaya Chako, que de Koluka, Tamsubilo Pakomia, et que vous en Égypte. Lorsque ma commune Égypte, ma tête au Koutana, Nande Konamango, ne gouverner l'Égypte. Ne pas moi à suivre Bango, Bengi Bango, moi y a tout fanda au. Baba dit qu'on se multiplie. Mais lorsque Bayaki, l'isolé esclavagisme, ça l'a quitté. Mais tant que Baba dit qu'on se multiplie, après un temps, il y a un roi, un pharaon, il y a qui l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph. Et a bandi ko miokola bana Israël ko prive bango des choses Israël niokwani na kata boumou jusqu'à ce que l'Éternel est venu par Moïse pona koluka ko kangola libota ya Israël. L'Éternel est venu par Moïse, je voulais délivrer mon peuple. Il a choisi Moïse. Par Moïse, Israël et Bima, la Katamou. Mais le même processus est bandit pour que Israël et Bima, la Katamou. Moïse a fait ce qu'il fallait faire. Jusqu'à ce que Israël et Bima. Dans la partie où nous sommes en train de lire, Exode chapitre 14, 23 jusqu'à 25, la Bible déclare ainsi: les Égyptiens poursuivirent les enfants d'Israël. Alors Israël est venu. Israël n'a marche. Parce qu'elle est vers la terre promise. La terre où le Seigneur l'avait promis. Depuis par Abraham, je donnerai cette terre à ta postérité. Mais Israël en route, ils ont qu'elle est vers la terre promise. Dans cela, ils ont qu'elle est. Mais si tu vas l'éviter, tu as une erreur. Pourquoi tu dis qu'il va pas qu'elle est? Tu as l'anda bango. Mais maintenant, quand tu as l'anda bango, la Bible déclare ainsi: bah, j'ai ma chevaux. Ma jupe à calme, même à cavalier, il y a Pharaon, à l'âme d'Israël. Dans la vérité, l'hypothèse est celle qui est en bonsoir. L'hypothèse est celle qui est en bonsoir. Ils engagèrent des grands moyens pour atteindre Israël, pour poursuivre Israël. Israël, ma moyen à ma casse va t'acquérir. La Bible déclare, n'a souka ma vite, ma difficulté toujours rencontrée, Zambazo Mundisa, Bisso, à se protéger ma mot. L'Éternel combat pour, combat contre nous, pour Israël. Mais quand ils ont mis des moyens pour poursuivre Israël, ils ont mis des moyens. Jus ma calo, ma char, ma jus ma chevaux, ma jus ma cavalier, ma soldat à Pharaon. Oh Pharaon, tiens la camotée. Parce que à cette époque, Israël, lorsque va se retrouver dans la carte d'Égypte, l'Égypte était la nation la plus puissante sur la terre. N'a pas qu'un armement côté de l'Égypte. Donc, lorsque va engager ma moyen pour atteindre un peuple, un peuple où il y a une nouquité, un peuple où il y a une obité, un peuple où il y a une roquette, un peuple où il y a une drôle, un peuple où il y a une satanité, il y a une satanité, mais va engager des grands moyens pour atteindre ma moyen. Mais il ne faut pas blaguer dans le combat avec le diable. Il ne faut pas blaguer avec le combat
avec le ténèbre. Engager des grands moyens pour atteindre le peuple basé en armée. Comment cela est possible? Comment cela peut se faire? Les ténèbres poursuivent les hommes. Les ténèbres poursuivent les enfants de Dieu. Afin de atteindre le but. Quand tu avances dans la bonne direction, quand tu avances vers de bonnes choses, c'est en ce moment-là que les ténèbres se lèvent. Les ténèbres n'est pas d'accord avec chaque avancée de l'homme. À chaque fois que l'homme, il met la patte devant pour avancer, les ténèbres n'est pas d'accord. Le diable cherche de quel moyen il a pour arrêter marche à monde. Égypte était le grand moyen qu'on nous a pour arrêter marche à Israël. Israël est avancé vers la bonne direction. Alors, bien-aimés, nous sommes dans un combat sans merci. Un combat avec les ténèbres. Un combat avec des sorciers. Un combat avec des magiciens. Un combat avec des féticheurs. Peut-être toi tu blagues avec des combats qui t'arrivent. Mais ils engagent des grands moyens. Pour n'importe quoi, pour arrêter ou pour avancer. Qu'est-ce qui va t'arriver dans quelques jours? Qu'est-ce qui va t'arriver cette année? Qu'est-ce qui va t'arriver ce mois? Naba miroir naba ko bazotal. Bazo mona te libale comme le pousse à la pembe minaye. Bazotal bazo mona te musale comme ko pousse à la pembe minaye. Bazotal bazo mona te ko bote comme ko pousse à la pembe minaye. Bazotal bazo mona te bazo la sainte fois-ci à date sali makanto ko sala. De la voyage des apôtres. Ils sont en train de regarder dans leur miroir. Ils poursuivirent les enfants d'Israël. Israël avance vers la promesse. Israël avance vers la volonté de Dieu. Mais l'Égypte, malheureusement, te critique à la volonté. Engageons des grands moyens pour les empêcher. Mais les ténèbres engagent des grands moyens pour s'opposer à toi. Pour s'opposer à ma promesse à jamais et s'accomplir dans ta vie. Ils ont pris les chars. Ils ont pris des cavaliers. Ils ont pris des chevaux. Lorsque nous devons avancer, lorsque nous devons tenir le feu dans un bain, les ténèbres utilisent des grosses stratégies pour nous convoiter, pour nous empêcher d'avancer vers la direction. Tu entendras des faux témoignages. Tu entendras des faux témoignages. L'invention Yamasolo. Mais invention, il y a ma cambo. Et comme il y a autour de toi, tout simplement parce que tu avances avec l'Éternel. Parce que tu as pris la décision d'avancer avec Dieu. Parce que tu as pris la décision d'aller vers la bonne direction. Tu entendras de faux témoignages. Mais les faux témoignages, et ça la kaloko la nzoube. Na vie à moto. Parce que dans notre marche avec Dieu, bien-aimé, faut pas négliger les témoignages. Les témoignages jouent un rôle très important. Ce n'est pas pour rien le monde à ténèbres cherche à salir ma réputation et à salir ensemble. Parce qu'ils savent, lorsqu'à discréditer moto, lorsqu'à mémé ma cambo, n'aille pas y abattre, comme on a eu, ah, à ça, nous tout pas en bas.
Obi soto salaka ye pa salaka. Nebi soto tabo la ye pa tabo la kabobo. Et pas tout bas, sans croire les sous-souté. Que cela y a mon sali en zan. Dans cela, il y a mon toit, je t'abonne ensemble, quelque chose de bon peut sortir. Lorsque le témoignage est atteint, c'est très difficile. Même ce qui vient de toi est à perdre le mot ensemble. On doit protéger nos témoignages. On doit bien marcher afin que les ténèbres n'aient pas quelque chose. Il y a des fondats du bosso dans Zambé. Même pas de répandre de faux témoignages. Natina Nabiso. Ils engagent le grand moyen pour atteindre Israël. Il y avait les faux témoignages et ça arme aussi. Le monde des ténèbres utilise puissamment pour arrêter la force de certaines personnes. Un jour, Nassau Kali Solo, Nekomoko Yamobai, Alina qui a proposé Ndekomosusu Naliba. Quand Alina a proposé Naliba, il y a des babades au solo laté. Alors, il y avait une personne prenée d'ailleurs. Oh, il y a qui ne connaît pas moi si malade. Alors, vite, pendant que je vois l'enseignement, que Moutou Oyo n'a pas ce que l'on a dit, Moutou Oyo n'a pas ce que l'on a fait le mariage, n'a pas s'assuré que c'est une bonne personne. Et ça, la Moutou Oyo à côté de moi, oh, il est bien malade. N'a pas qu'à consoler l'on a dit, n'a pas qu'à partager l'on a dit, ce que je vais faire. Il y a quelques jours, il y a quelques jours ici. Et si bah autour ça il est makambo. Et tu connais quand la makambo mikié, bah ça la va remise wana, il y a ce qui n'est pas mobile là. Invention. Invention totale. Tout simplement parce que avec qui d'accorder. À mon endroit là, à qui faire la bonne direction. Ils engagent des grands moyens pour arrêter la marche d'Israël. Des rencontres. Tout simplement parce que à l'unité, ne voit la côte. Na direction à l'Indakende. Mais après des jours, ne quoi dans mon bal, il y a des choses pareilles. A tout réagir, pété. Avant de canaliser le cambonaïe. N'a pas qu'il n'a salaire. Alors un jour, il prit le courage. Habite, n'a pas qu'on a yébisaï. Lorsqu'à quelqu'un qui s'en est, il y a moi aussi. Mais comment c'est tourné? Mais d'où ma kambou ou est bimé? Et où t'es-moi? Salignoso pour la bomba
la personne Oyo a raconté des choses à Salakitu. Des faux témoignages. Les ténèbres engagent des grands moyens. Bajuba ça, bajuba c'est faux. Bangasi un bon pour la colonne Israël. Israël est combatté ici comme à Sokende. Israël est avancé. Deuxièmement, bien-aimé, la carte de la stratégie à monde d'Athénée pour t'arrêter, pour m'arrêter. La carte de la stratégie. Ils peuvent aussi envoyer des hommes et des femmes pièges. Basi tombali, on va ça va pièges. On commande à mon toi, il y a une boisson à lui. On commande à mon tout, à y aller au col à l'indéco. Tu as une proposition de l'Ibala. Mais c'est un nom piège. Oh, les ténèbres est indiqué pour t'arrêter la marche. Les hommes et les femmes pièges. Bien-aimé, ne pense pas. Chaque personne qui arrivera dans ta vie, qui te dira je t'aime, cela veut dire que c'est une bonne personne. Il y a des hommes que les ténèbres envoient pour la colombo la bateau vers la bonne direction. Moutazo te la bateau. Moutazo sale l'ensemble. Mais le monde des ténèbres, il faut donc prendre les moissi. Il faut donc prendre les moissi. C'est une des stratégies. Il y a le monde des ténèbres. Parmi les grands moyens que les ténèbres engagent pour arrêter la marche d'une personne, les femmes et les hommes pièges. Lorsque tu prends des bonnes décisions, lorsque tu avances vers la bonne direction, les ténèbres engagent des grands moyens pour t'arrêter dans cette marche. Mais quels sont les moyens? Quelles ténèbres engagent pour t'arrêter vers la bonne direction? Moi, je crois cette année, je crois qu'il y a des grandes choses, je crois qu'il y a des choses qui nous atteindront dans les jours qui arrivent, que le Seigneur a préparé. Bien aimé, cela arrivera. Rien ne peut empêcher cela. Mais sois prudent. Sois prudent. Parce que lorsqu'il y a des bonnes choses, les ténèbres aussi préparent des mauvaises choses. Les ténèbres aussi préparent. Quand ça te va ma femme, il va faire ma oui. Année ça année naïe. Année ça année fois que des émotions. Année personne pour y avoir campagne. Mais que lui a des renoms. Il les voit dans leur miroir. Bah, on se pose la question comment quoi arrêter. Comment les poursuivre et l'atteindre? Comment les poursuivre et l'atteindre? Il y a aussi des maladies graves. Des maladies graves qui atteignent les hommes lorsque les hommes avancent vers de bonnes directions. Bien, mais je ne les casse pas. L'année 2015, c'était l'année où j'étais malade, presque toute l'année. Tout simplement parce que c'était l'année que je devais obtenir mon diplôme de licence. À cette époque, je travaillais au cyber. Dans ce salon à cyber. Je suis en train de faire bien, dans la route bien. Mais tu as commis 15 heures. Pourquoi tu as commis 16 heures? Je n'ai pas de nous autres bandits, il faut que nous soyons à la tête. Il faut que nous soyons
na mela ba kisa ba malaria na sala ba examen j'étais toujours malade Ne pense pas les ténèbres te regardent avancer vers la bonne direction. Non, ils ne sont pas contents. Poursuivons les Israélites. Arrêtons leur marche. Empêchons-les d'atteindre là où ils vont atteindre. Lorsque tu sens que tu avances vers la bonne direction, prends aussi des grandes décisions. Il y a ma bonne vie. Quand c'est la terre à surprendre, tout ensemble, est-ce que le Seigneur tu ne voyais pas? Il voyait, mais toi, tu n'as pas engagé des grands moyens comme eux. Bango va faire la vie sécurité, mais toi tu blagues. Bango va être tellement sérieux, la poursuite va engager contre toi, mais toi tu somnoles. Engage aussi des grands moyens. Mais tu sais, en ce qui concerne la réussite de l'homme sur la terre, cela ne dépend pas de Dieu. La réussite dépend de l'engagement de l'homme. Ton engagement, le sérieux que tu prends, le sérieux que tu mets dans ce que tu fais, la réussite dépend de ça. Un jour, j'ai posé la question ici et je continue toujours de les poser. Lorsque tout le temps, il y a un cimetière, il y a un cimetière des automnes aujourd'hui, parce qu'il y a des cimetières automnes dans Kinshasa, bien que ça là illégalement, action encore, il y a beaucoup de bateaux, mais il y a des cimetières remplis. Lorsque tout le temps, il y a un cimetière, il y a un tombeau, est-ce qu'on réalise ça que il y a un tombeau qui est là? C'est possible qu'il y ait un tombeau sans pour autant voir certaines promesses. C'est possible. Ta réussite dépend du sérieux que tu prends et tu mets dans ce que tu fais. Imaginons-nous. Zamba le dit que les relations que tu as, il y a des mariages devant. Mais yo, Osangisa André, Osangisa Jacques, Osangisa Christian, Osangisa. Mais la personne va partir. Parce que l'homme a l'inga koko sa siré et si kalinga s'engage. L'homme, c'est ça. Naza siré si kalinga l'inga na kota. Mais tout ça n'a nous boye. Et mon amour, on a Christian. Et mon amour, on a Jacques. Et mon amour, on a André. Et mon côté, il y a la confusion. Osa mon andaku, tout mon andibanda. La réussite dépend du sérieux. Prends du sérieux dans les combats. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Et la main du Seigneur sera visible. Quand tu dis que c'est mon année de gloire, pense aussi que je dois prendre des sérieux, précautions pour que aussi ma moyen va engager et atteindre un bâti. Parce qu'elle ne croise pas les bras. Et il ne croise pas les bras. Il y a des décisions rapides et précipitées lorsque tu avances vers la bonne direction. Quand on sait qu'il ne faut pas prendre un mois pour exécuter certaines choses. Non! Non! Lorsque l'homme avance vers la bonne direction et il prend des décisions rapides, des décisions rapides et précipitées. L'autre fois, je vous ai fait part d'une histoire. C'est moi qui l'ai vécu. Je devais aller lobby dans l'interview à mon salon. Tout s'est passé normalement. La Vandi. Tout à coup, directement,
ba message ba douya ni les osala ba lobi ba ke ko benga intervention intervention ya banani ya ba esprit revenant ba esprit revenant ba za banani eza ba to ba kufa ba to so ba ona moto so sa kufi akufi na le monsieur ah kufi akeyi na le monsieur ils existent. Bah, il y a ce qui se passe sur la terre. Donc, il y a ça pour ça qu'on fait pas qu'il y a une réunion, il y a un autre. Attends, qu'on fait ça, on a une réunion. Quand on a mis, on a qu'il y a une sorcellerie, il y a une réunion. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Bah, qu'est-ce qu'on fait dans la rue? Bah, le bimbo, il y a un bango, pardon, il y a. La tombe de la trop tard. C'était pas minuit. Lorsque tu avances vers la bonne direction, ils prendront des décisions rapides et précipitées. Boya, on doit y arrêter. Ceux qui savent cette histoire, ils savent comment ça s'est passé. Ce n'était pas minuit. Demain matin, il faut qu'il intervienne. Et bien, il y a ça. Bah, lundi même, il y a un temps, ça intervient. Il ne faut pas blaguer avec dans les combats. Il ne faut pas blaguer. Tant que vous avez dit, on a un monde à Yesengo, on a un Simba Bikamo, on a un Lobo Kansambé, on a un Lobo Kansambé, on a un Lobo Kansambé, on a un Lobo Kansambé. Bah l'année même dans mon temps ça ça m'a dérivé. Bah sur mon thème ali baba baté. Donc tu as gâché des moyens tout simplement pour que tu ne résistes pas. Les esprits revenants. Bah tu si bakenda. Il y a les interventions. On a sendaka na monde ténèbres. To bon de l'inzambe, to luki nzambe, zambe, et loko yate, ma be e yate, be le monde a ténèbre, ba ke ba bengi, ba bito ke benga yemei, yemo kwa ya, yemo ka sil samakambo. Vous savez, lorsque l'Éternel nous a parlé des choses pareilles, bien, ça devait ouvrir notre intelligence, et ça devait ouvrir notre connaissance. Lorsque tu avances dans la bonne direction, les ténèbres engageront des grands moyens pour t'arrêter ou avancer. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier. Nous avons tout le monde de l'argent. Le grand moyen, nous sommes au monde des ténèbres et engagés, qui peuvent engager. Cette année, et atteindre ta vie, et arrêter que la bonne marche, et s'entraîner vers la bonne direction. Que cela soit nul et sans effet. La Bible déclare, toute arme forgée contre vous sera nul et sans effet. Il faut le déclarer. Quand tu vois les ténèbres engager des grands moyens, vas-y ma sœur, vas-y ma sœur, vas-y ma sœur, ma cavalier, l'homme à ma mort, tout arme forcée contre moi, sera nul et sans effet. Attends ma guerre, dis ma oui, attends ma guerre, dis ma démon, attends ma guerre, dis ma démon, et puissance, l'homme à ma mort, tout arme forcée contre moi, sera nul et sans effet. L'Éternel a combattu à côté d'Israël. L'île des gens le bas. Lorsque ma joie a passé, à l'opinion, ma pinée, n'a pas char, n'a pas mort. N'a joie le bas de l'eau. Ma stratégie, ma roche à la. Sauf que ma fille n'a char. Sauf que ma fille n'a pas de l'eau. Sauf que ma fille n'a pas de l'eau. Jamais à bon monde. Admettez ma voix de route. Admettez ma voix de route. Quand quelqu'un a été, va passer vers ma bonne direction. Et c'est une minute. Oh.
Ezanini. Est-ce que biso to yaki na mokili kaka poto lelaka? Est-ce que biso to yaki na mokili poto samba kaka? Est-ce que biso to yaki na mokili poto kumela kana maladi? Té! Il faut pas comprendre que l'Éternel combat à nos côtés. Basali ba stratégie, li ba la moyenne, ba on comprendre té, mais mon ba la moyenne kaka, a juste le parti, ba on comprendre té. Basali ba stratégie nyo so ba ko sala, ba on na tomber na muki ba. Alors qui donne ni jour à moi ça de l'autre. Ils seront surpris et vont comprendre que l'Éternel a tes côtés. Et comme il tango, gai pena mona. Et c'est bon angre, mona nana miso yabato. Tango habitumba eleki. Et comme il pena tango yo. Y'a pas si épé sa milanga na pédé. Tango habitumba eleki. Et comme il pena tango yo. Il y a pas si épaisse à Milanga n'a pété. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans la parole de Dieu. Et ça n'a pas il y a un loco, moko, moko, nasse, namore. Ce qui m'a passé qui est grand moyen. Il est temps maintenant que l'Éternel est des cieux. L'Éternel est Dieu des sabbés. À se lever, à mettre en déroute ma plan. Mais pour les nions, ce n'est pas engagé. Lève-toi maintenant là où tu es. Nous voulons maintenant prier, bien-aimés.